contester le pouvoir du grand prêtre Aaron, Yahvé, pour manifester ses prérogatives sacerdotales, fit fleurir le bâton desséché, qui était l'emblème de son pouvoir. Tout cela annonçait le véritable et éternel grand prêtre qui remet les péchés, non par le sang des taureaux et des boucs, mais par son propre sang. Car il n'y a qu'un seul grand prêtre dont le bâton est vraiment germé jusqu'à fleurir. En effet, le Christ est le seul dont le bâton qui est la croix est non seulement germé, mais même fleuri en produisant tous ces fruits que sont les peuples croyants. Ce bâton desséché, qui reverdit, était la figure du mystère de la résurrection des morts, celui du divin chef, le Christ, comme celle de ceux qui ont cru en lui et qui verront leur corps mort reprendre vie.